parce qu'on voit pas. C'est possible, ça, celle-là, viens. D'accord, écoutez, il y a en face du temple, il y a une gorge, je m'y porte, et c'est peut-être de cette gorge que je peux voir l'urne avec une colonne. Marguerite. Oui, oui. Il faut voir en même temps l'urne et les deux colonnes. Voilà, voilà, il faut voir l'urne et les deux colonnes. Pour l'instant, je suis à l'intérieur de la gorge. Dans le sens de la descente de la gorge. C'est ça. Oh là là, le temps tourne très 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 vite, vous savez qui... Jean-Yves, oui. viens là, c'est ici. Attention, oui, je vois là, exactement, regarde, en haut à gauche, tu vois l'urne et les deux colonnes à droite. Ok, j'y vais, viens. Ah, écoutez, Marguerite et Marcel. Oui. Marguerite et Marcel. Oui. Je viens de remonter la gorge. Effectivement, je me suis porté un peu plus loin et il y a de cette gorge une vue du temple qui me permet de voir et l'urne et deux colonnes. Et ces deux colonnes, elles sont à droite, je m'y porte. Oui. Alors le poignard est, le poignard est entre les deux colonnes. Alors sur la droite, regardez à droite, déjà. Écoutez, je grimpe, il n'y a rien. Au sol, je grimpe un petit peu, j'escalade entre les deux colonnes. Vous avez l'urne. Oui, il a l'urne. Il a l'urne, oui. La l'urne, donc... C'est au centre du monument. Oui. Mais il a l'urne. Donc il va trouver le poignard. Ça y est. Stop Paris. J'ai un couteau. Je veux dire qu'on a suivi votre progression. Merci, Philippe. Félicitations. Tout ça me paraît très difficile. On a pris beaucoup de temps.